Bienvenue sur ma chaîne où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Belly, love coach et conseillère sentimentale qui vous parle d'amour et de sexualité sans aucun tabou. Bien souvent, la routine s'installe, la morosité sexuelle s'installe bien plus vite qu'on ne le croit. Parce que très souvent, on a entendu autour de nous que ça s'installait eh bien, après plusieurs de longues années de vie commune. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, puisque pour certains couples, eh bien, la routine sexuelle apparaît après plusieurs mois. Penchons-nous sur la définition exacte du petit Larousse, s'il vous plaît, sur la routine, monsieur l'ordinateur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi. Habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Son travail est devenu une espèce de routine, synonyme train-train, ronron. Super glamour, quoi. La routine, l'ensemble des habitudes et des préjugés considérés comme faisant obstacle au progrès. Bon, c'est une façon très polie d'expliquer tout simplement qu'on se fait royalement chier. Mais attendez, ce n'est pas bien grave. Si c'est votre cas, c'est tout à fait normal. Ça arrive et justement, grâce à cette vidéo, j'espère de tout mon cœur que ça va vous aider eh bien, à empêcher cette super morosité ou routine sexuelle. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous êtes venu chercher comme information sur cette vidéo. Il est probable tout simplement eh bien, que vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie de couple ou sexuelle, que vous voulez raviver la flamme, pourquoi pas, ou tout simplement par curiosité. En tout cas, quoi qu'il en soit, bienvenue à vous. Et je vais vous dévoiler trois choses surprenantes que vous pourrez mettre en application au plus vite, à zap, comme on dit, ou dès tout de suite, dès maintenant, quoi. Hein? Action-réaction pour une bonne érection. Oui, je sais, je suis en forme. Je tiens à préciser, petite parenthèse tout de même, hein, aux mamans, qui mettent quelques commentaires parfois sur le fait que c'est pas très bien de faire ce genre de vidéo, vous vous rendez pas compte, nos enfants peuvent regarder. Mesdames, je tiens à vous préciser que mes vidéos sont bloquées aux mineurs. Donc si toutefois vos enfants tombent sur cette vidéo, c'est parce que vous avez donné accès à votre compte. Voilà, sinon ils ne peuvent pas regarder mes vidéos. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti pour les trois choses, on y va. J'espère que vous êtes excités. Première chose, vous avez certainement entendu des milliers de fois qu'il fallait innover et que pour innover, il fallait changer d'endroit. Alors oui, j'ai envie de vous dire oui, je vous incite, je vous encourage à pratiquer justement, à changer d'endroit. Seulement, je sais combien c'est pas évident. Eh bien, lorsque vous avez une vie de famille, que vous avez des enfants, que vous êtes peut-être, vous avez un manque de temps. Mais pour ça, j'ai une astuce formidable pour vous, qui va transformer votre chambre en moins de 5 minutes. Oui, oui, c'est possible. Pour ça, il faut trouver les idées. C'est pour ça que sur Belinda sans tabou, on en parle. Cette chose va surprendre autant votre partenaire, va vous faire grimper peut-être au 7e ciel. En tout cas, va vraiment transformer votre nuit. Oh, vous allez avoir le feu, je pense. Ça change des menottes, ça change de s'attacher et peut-être que vous n'avez pas de quoi vous attacher d'ailleurs sur le lit parce qu'on n'a pas tous de lit à barreaux. Hein. Et bien pour ça, il existe, ça s'appelle des contraintes lanières, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Belly, s'il te plaît, photo. Donc vous voyez, c'est hyper sexy, c'est de très très bonne qualité et la belle surprise surtout, c'est que vous pouvez laisser les lanières dans votre lit et vous en servir quand vous voulez. Ça veut dire qu'en fait les lanières vous pouvez les cacher en dessous de votre matelas, donc vos enfants ne verront jamais que votre chambre se transforme en 50 nuances degrés en moins de 2 secondes. Bah il y a les travaux, c'est super glamour, pardonnez-moi si vous les entendez mais c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Donc c'est ce que je voulais vous dire, je reviens à mes lanières contraintes. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont d'excellente qualité. Je travaille avec un partenaire qui s'appelle Love & Vibe. Voilà, si toutefois vous êtes derrière la caméra en train de dire que c'est du placement de produit, à un moment donné, ouvrez vos oreilles. Deux oreilles vous avez, donc il faut écouter deux fois. Oui, j'ai certains partenaires que je choisis précieusement. Je ne travaille pas avec tout le monde. Donc voilà, Love & Vibe pour moi, c'est vraiment une très bonne référence. Et j'adore leur slogan, mais j'adore le fournisseur d'orgasme. Je trouve l'idée ingénieuse.
C'est pour ça que je le partage avec vous. Vous voyez, on n'est pas obligé de se payer un week-end eh bien, pour innover, pas obligé de devoir sortir à l'extérieur ou de se faire griller par je ne sais qui parce que vous voulez aller dans la cuisine ou je ne sais où, dans quelle pièce, si vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre vos enfants chez la nounou pour pouvoir vous éclater. Voilà, fermez bien votre chambre, soyez silencieux et mettez vos lanières. Mais c'est pas fini, restez avec moi parce que dans cette vidéo, j'ai deux autres choses à vous montrer. Deuxième chose que vous devriez avoir dans votre tiroir. Non, je vous montre pas tout de suite. C'est le gel. C'est un gel qui stimule le clitoris. Mais alors, franchement, faut le tester. Alors parfois, nous les femmes, on a un peu de mal en fonction de notre état de stress, de notre état de fatigue. Parfois, on a envie, mais c'est un envie qui est loin, très très loin, très profond, plus profond de nous. Et donc du coup, on se laisse plus envahir par le fait que notre morale nous dit non, non. Mais vous sentez un tout petit titillement, vous avez juste peut-être besoin d'un tout petit coup de pouce qui vous donnera vraiment envie de faire l'amour en moins de 2 minutes. Eh bien, le Lady Orgasme va vous permettre d'être excité en moins de 2 minutes. Effet garanti. Moi, je vous dis testez. Hein. Sincèrement, ne me croyez jamais sur parole. Testez par vous-même. Alors ça, c'est un gel que vous mettez sur le clitoris. Donc, c'est un gel qui est transparent. Voilà. Et il sent un peu la fraise. Et en revanche, quand vous le mettez sur le clitoris, je vais peut-être... j'ai pris mon petit sopalin quand même. Quand vous mettez sur le clitoris, ce qui est génial, c'est que ça va chauffer et en même temps, ça va refroidir. Donc, ça fait un effet de chaud-froid. C'est un gel, donc ça glisse en plus sur le clitoris. Donc, je peux vous dire que l'effet, vous l'avez. C'est l'effet qui se coule pour de vrai. Donc, ça permet d'augmenter votre libido. Pour certaines femmes, ça permet d'atteindre l'orgasme plus rapidement. Et moi, j'ai même envie de vous dire de l'utiliser pendant la masturbation parce que ça va glisser, chauffer, froid. Ça donne un effet génial. Donc le Lady Orgasme va vous permettre aussi de transformer votre soirée, de briser la routine sexuelle, parce que si vous êtes plus excité, forcément votre homme, en tout cas votre compagne ou votre compagnon, eh bien, va rentrer dans la même énergie que vous. Et c'est toujours beaucoup plus sympa quand les deux partenaires sont excités, plutôt que quand il y en a un des deux qui est plus excité que l'autre. Vous savez certainement de quoi je parle. Et enfin, la troisième chose que je m'apprête à vous dévoiler, moi, je trouve ça super fun. J'ai entendu, c'était une sexologue qui avait parlé de ça dans une vidéo, mais je ne me souviens plus de son nom. Peut-être que vous la connaissez. Si vous la connaissez, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Vous, il vous suffit d'avoir, pour jouer au jeu du roi et de la reine, j'appelle votre jeu de cartes. Oui, Ricard. Ça fait super glamour, mais bon. C'est un jeu de cartes parmi tant d'autres. Donc du coup, vous prenez un jeu de cartes, il vous suffit d'avoir un jeu de cartes, vous l'aurez certainement deviné. Il faudra juste sortir un roi ou une dame. Où est-elle, madame? Voilà. Et si c'est le roi qui sort au hasard, si c'est un roi qui sort au hasard, eh bien, c'est monsieur qui décide de la soirée, qui décide des fantasmes, qui décide la façon dont vous allez faire vos débats sexuels, par exemple. Et si c'est la femme, si c'est la dame qui sort, eh bien, ce sera madame qui décidera de la soirée, des fantasmes, des débats sexuels. Alors, à la base, le jeu, c'est juste d'avoir deux cartes et puis de tirer au hasard. Puis moi, je l'ai remasterisé. Je pense que si vous me connaissez, j'adore ça. Refaire les choses à ma sauce. Vous prenez votre jeu de cartes, vous le mélangez bien, bien sûr. Vous le mélangez bien et vous le coupez en deux à part égale, comme ça chacun son jeu. Comme si vous jouez à la bataille, vous prenez votre jeu de cartes et vous sortez une carte chacun votre tour jusqu'à temps que le roi ou la dame sort. Moi, je trouve ça super sympa. Ça vous permet, vos lanières sont prêtes, votre Lady Orgasme est déjà... oui, parce que j'ai oublié de vous dire quand même que le Lady Orgasme, vous le mettez au niveau du clitoris et vous pouvez vous rhabiller. Ça colle pas... Ça colle pas énormément, ça a collé un petit peu si vous mettez de la lingerie, mais il n'y a pas de traces, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment sympa, à la rigueur, pendant que vous jouez, mettez-vous discretos le petit Lady Orgasme. Si toutefois vous avez envie de vous fournir le même matériel que moi, il vous suffit en description, vous cliquez sous la vidéo et je vais vous mettre tous les liens, le lien du Lady Orgasme et le lien des lanières pour pouvoir vous les fournir au plus rapidement et passer une soirée de rêve.
Alors attention, bien plus sérieusement, je tiens à vous préciser tout de même, je pense que vous l'aurez deviné, que souvent l'amorosité ou le manque de désir au niveau de la sexualité ne provient pas forcément que de la routine. D'accord, ça peut provenir aussi eh bien, de problèmes bien plus profonds, peut-être un problème de dialogue, peut-être un problème de dossier. Quand je parle de dossier, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à avaler, ou peut-être un état de stress en particulier. Donc voilà, ça sont des idées que je vous partage pour vous aider dans votre vie sentimentale. Encore une fois, peut-être que vous êtes une personne qui est célibataire, mais à la fois, ça va vous aider à ne pas tomber dans la routine. Vous aurez déjà votre sac à dos rempli d'idées. Mais si toutefois, en tout cas, vous avez des problématiques aujourd'hui dans votre vie de couple, voilà, c'est pas la chose qui va guérir et qui va vraiment révolutionner votre vie de couple, on est d'accord. Maintenant, ça ne vous fera jamais de mal. Et si toutefois, vous avez besoin d'un coup de main, pensez bien à aller sur mon site internet. Et aussi en description sous la vidéo, vous allez avoir tout type de vidéos à la carte. Vous choisissez si vous avez besoin d'un coup de pouce, bien de l'aide supplémentaire, un vrai accompagnement. Je fais des vidéos vraiment abordables pour que vous puissiez vous fournir des conseils, que ça puisse vous aider dans votre vie amoureuse, sentimentale ou même célibataire. Je vous laisse aller dans ma boutique, vous verrez bien. Faites un petit tour et puis voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspondra et qui vous aidera mieux. Je pense que j'ai tout dit. Bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'un like pour moi, ça veut dire merci. Donc bah, ça me fait toujours plaisir. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux eh bien, à me regarder, que ce soit sur ma chaîne Belinda Sans Tabou ou Opération Séduction. Donc merci à vous pour votre confiance. Et pensez à vous abonner à ma chaîne, parce qu'en vérité, je dis souvent que je fais une vidéo par semaine, mais c'est pas vraiment le cas. Parfois, je suis tellement débordée que je le fais pas. Donc, écoutez, abonnez-vous, au moins activez la petite cloche. Et dès qu'il y a une vidéo, si le sujet vous intéresse, au moins vous serez au courant. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, à la prochaine.